Hello tout le monde, everybody, comment allez-vous bien? Je vous avais dit que je le mettrais, je vous l'avais dit, mais je rentre pas dans le cadre quand je le mets. Voilà. Alors, je viens vers vous avec les résultats de mes deux concours. Le premier concours, c'était le concours pour le hall de chez Action. Dans l'ordre, je suis pas sûre que ce soit le premier. Peu importe. Et vous avez été 93. 93 à répondre à mon concours. Et donc j'avais dit que je tirerais quelqu'un au sort. Alors dans les brumes du sommeil hier soir, j'ai tendu la liste à mon mari qui a mis le doigt sur un nom avec sa main innocente et à moitié endormie. Et c'est mademoiselle Amandine Lascou qui a remporté ce concours. Alors, je suis désolée pour l'éclairage, mais voilà. Et bravo Amandine, la chance était avec toi le jour où tu as posté ton commentaire. Alors je te demanderai de m'envoyer par mail, je mets mon adresse mail dans la barre d'infos, je te demanderai de m'envoyer par mail ton adresse postale afin que je puisse t'envoyer ton cadeau avant Noël, puisque dedans il y a des petites choses pour faire des DIY, des bricolages de Noël. Voilà pour le concours Action. En tout cas, merci. Je ne savais pas que vous étiez si nombreux et nombreuses à aimer Action. Vous m'avez laissé des messages super gentils, tout mignons. J'ai vraiment aimé. Notamment un petit jeune homme qui trouvait que je lui faisais penser à sa grand-mère. C'est sympa. C'est chouette. En plus jeune, il a mis. En plus jeune, allez quand même. Bien, maintenant, on va passer parce que je sais que vous êtes impatientes. Parce que là, il n'y a eu que des filles qui ont participé pour le concours de la carte pour la maison de repos. Alors, pour la maison de repos, tout le monde n'avait pas compris. Je crois que je me suis mal exprimée. Ça a été un flop. pas un flop, mais j'ai mal annoncé mon concours. Je ne l'ai pas répercuté sur Facebook ou sur Instagram ou quoi. J'en ai plus reparlé, ni sur mon blog, ni rien. J'en ai plus reparlé. Et du coup, ben, y a plein de gens. Vous m'avez envoyé des gentils messages en disant « Oh, je ne l'ai pas vu passer, je n'ai pas vu où il était. » Je suis désolée, je m'y suis mal prise, mais j'étais avec ma tête d'abord dans les ateliers designer édition, puis dans les ateliers du Père Noël. Et seulement maintenant, je commence à peine sortir la tête de l'eau. Et voilà, et je me dis, je ne m'y suis pas bien prise, mais comme on dit, ce n'est que partie remise, parce que vous faites des choses tellement jolies, avec tellement de goût et avec tout votre cœur, parce que vous m'envoyez des petits mots gentils comme tout, c'est vraiment adorable. Et alors, quand je dis à mon mari, je dis voilà, il faut tirer au sort aussi. Mais là, j'avais mon paquet de cartes. Alors, elle me dit, mais tu prends la dernière qui est arrivée. La dernière que tu as reçue. Ok, super. Et donc, j'ai pris celle-ci. Elle se reconnaîtra. Voilà. Et c'est notre copine, parce que je la connais en fait. Hein, y a des gens que je ne connais pas du tout. Amandine, je t'ai vue. J'ai déjà eu des commentaires de toi, je crois, mais je ne te connais pas vraiment. Tandis que ici, Aurélie, c'est rigolo. Ça fait depuis le mois de juin, je crois, qu'on se connaît. Et c'est chouette, c'est toi qui as été tirée au sort. C'est vraiment un hasard. Et donc, voici ta carte. Elle est magnifique. Tout en finesse, tout en... Je ne sais pas si c'est toi qui as écrit « Bonne année » ou... En tout cas, c'est super bien écrit. Félicitations, parce que c'est vraiment joli comme tout. Malheureusement, je n'ai pas le temps aujourd'hui, et je ne crois pas que je l'aurai, parce que je dois aller déposer les cartes avant la fin de cette semaine, donc ça va être chaud. Donc, je ne crois pas que je pourrai toutes les montrer, je suis désolée. Ceci dit, je vous promets que la prochaine fois que je fais un appel de cartes, et ce sera avant Noël de l'année prochaine, parce que vous faites tellement de jolies choses et j'ai envie de les montrer. Cette fois-là, je serai très claire, je vous le rappellerai sur les réseaux sociaux, je vous le promets. Et je vous montrerai toutes les cartes que j'ai reçues, promis, juré, craché. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt pour un nouveau concours, un nouveau haul, que sais-je, surprise.